Parle-moi de la demande en mariage. La demande, on a le temps ou pas? Oh, nom de Dieu. Alors ça, la demande en mariage, qui mieux que moi pourrait en parler? Fou, vraiment un truc de fou. C'est, je souhaite à n'importe quelle fille de vivre ça. Marie, tu n'es pas prête. Elle n'est pas prête. Donc, on va expliquer. Alors, la protocole. Je me suis dit, ben voilà, je vais prendre tous les témoins, je vais lui faire une surprise. Je vais l'amener à Londres. Dans chaque lettre, il y avait des photos de nous deux. Et je vais lui faire croire que je suis tout seul. Alors qu'en fait, il y a tous ses potes et témoins derrière qui sont calés dans une maison. Et voilà, je rentre, je pleurais avec ma valise, là je m'en vais. Voilà. C'est vraiment le gros sketch quoi. Et donc là je vois Matt trop bien habillé, trop beau, il me dit allez, installe-toi, chacha et tout. Il me donne la dernière lettre. Et donc là dans la dernière lettre c'était écrit veux-tu m'épouser? Je dis oui. Et là il me dit, il y a encore une dernière chose que je voudrais te montrer. Il met sa main devant les yeux et là il fait comme ça. Et là j'ouvre les yeux et là je vois tous nos meilleurs amis. C'est dingue. Qu'est-ce qui m'a plu le plus chez lui? Ça paraît un peu bateau comme ça, mais c'est sa gentillesse. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est toujours là pour les autres et pour moi aussi, mais il ferait tout pour que quelqu'un aille bien. Mais voilà, à un moment donné, quand tu passes tout ton temps avec quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que c'est une évidence. C'est qu'on est fait pour être ensemble. J'aime le plus chez elle, je dirais ouais, sa joie de vivre, enfin me plaît chez elle et je pense me plaira à vie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui vraiment je enfin, sans combler avec elle, c'est ce côté-là de dire ben, allez on y va toujours, ok, on fait ci, on fait ça, c'est vraiment ne jamais s'endormir voilà, sur son couple. Hein.
dans la suite, c'est vraiment de créer notre chez nous idéal. J'ai hâte de voir comment on sera avec aussi tout notre entourage, quoi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, l'histoire, elle est pas prête de se terminer. Mais que ce sera comme aujourd'hui, mais dans 10 ans, avec tout le monde. Place cette alliance au doigt de ma vie, je répète après moi. Par cette alliance, je deviens ton mari et joins ma vie à la tienne. Par cette alliance, je deviens ton mari et joins ma vie à la tienne. Cet amour représente mon amour inconditionnel et mon amitié éternelle. La promesse de parcourir cette vie à tes côtés.